compte. Compte pro, compte perso, ok, c'est bon. Ah, ok. C'est confirmé par la banque à distance. 10h45. Bon. Maintenant, la plaquette des réclamations. Voilà. Je prends ça et ça. Ok. Bon, alors, je résume. Saline directe, c'est bon. La séquence d'accroche et l'argumentaire en deux points, ok. C'est bon. Alors, en fonction de ce qu'il me dira, soit c'est un retard de synchronisation et c'est bon, soit c'est un autre problème. Et là, j'ai une solution de rechange, c'est, voilà. J'ai d'accord, c'est bon. Et avec un peu de chance, je passe une alerte. Allez, c'est parti. Christian Hussard. Monsieur Hussard, bonjour. Manuel Albaran, votre conseiller. Oui. Alors, comme convenu lors de votre visite ce matin, je vous recontacte au sujet de vos virements. Vous avez un instant? Vous ne deviez pas me rappeler avant midi. Alors, je viens de recevoir les derniers éléments qui vont me permettre de vous proposer une solution. Mais avant de vous la présenter, je dois d'abord effectuer une vérification pour valider notre hypothèse. Allez-y. Pourriez-vous me décrire en détail comment vous avez fait vos virements avant-hier? Je fais mes virements un par un, en commençant par ma femme et en finissant par moi. Ce qui me permet de valider sur nos comptes personnels que tous les virements sont passés. Alors, en effet, les informaticiens de notre banque à distance m'informent que vous avez fait les virements mardi matin à 10h45. C'est bien ça? Oui. En effet, je constate qu'ils n'ont pas été débités sur votre compte professionnel, ni crédités sur vos comptes personnels. Alors, la question que je souhaitais vous poser, monsieur Hussard, c'est au sujet des comptes de vos employés. Avez-vous interrogé les salariés dont les comptes ne sont pas détenus par notre banque? Ont-ils reçu votre virement? Reçu ou en cours de réception, visible sur Internet? J'en sais rien et je me vois mal leur demander, je suis censé le savoir. Il y a un avantage à leur poser la question. Et peut-être aussi une solution pour vos virements. Bon, allez-y. Si vous redoutez la réaction de vos collaborateurs lorsqu'ils s'apercevront que leur salaire n'a pas été crédité, vous avez tout intérêt à l'anticiper justement et les avertir qu'un incident technique, indépendant de votre volonté, risque de retarder les virements. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que nous devons savoir si les virements sont passés dans les autres banques. Toutes les nuits, les opérations bancaires sont mises à jour sur nos serveurs, les crédits comme les débits. Il est possible que vos virements aient bien été réalisés et transmis aux autres banques, mais que, exceptionnellement, l'information n'ait pas été enregistrée immédiatement sur nos serveurs. Dans ce cas, elle le sera forcément, je vous rassure. Mais plus tard, le lendemain ou le surlendemain. Ce qui pourrait expliquer que les opérations ne soient pas enregistrées sur les comptes que nous détenons, vos comptes professionnels et personnels, alors qu'elle le serait sur les comptes détenus par nos confrères. Ok, mais si rien n'a été crédité? Alors nous serons certains que les virements n'ont pas été faits. Vu l'importance de la situation, je vous proposerai d'envoyer par fax les coordonnées bancaires des bénéficiaires et les montants accrédités, et nous ferons le virement le jour même. Ok, mais mes salariés risquent de subir des frais si leurs salaires sont virés en retard. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Compte tenu de la situation, et exceptionnellement, j'ai obtenu l'autorisation de ma hiérarchie de prendre à notre charge d'éventuels frais bancaires sur les comptes de vos salariés. Cela comprend les intérêts débiteurs et les frais de rejet sur les prélèvements. Je vous confirmerai ce point par mail dès la fin de notre entretien. Ok, mais ça résout pas le problème. Qu'est-ce qu'on fait si ça recommence? En fonction de ce que nous constaterons les prochains jours, nous aurons suffisamment d'informations pour comprendre l'origine de l'incident et y remédier définitivement. Je vous rappellerai dans le mois pour vous donner les explications nécessaires. Oui, mais je serais curieux de savoir ce qui s'est passé. C'est noté. Je vous envoie par mail le compte-rendu de notre discussion et je vous recontacte en début de semaine prochaine. Ok. Un dernier point, monsieur Hussard, si vous avez encore un instant. Oui. J'aimerais vous présenter une solution qui vous permettrait à l'avenir de mieux anticiper la gestion de ces incidents. Et qu'est-ce que vous me proposez? C'est l'option alerte dont vous pouvez bénéficier dans le cadre de la convention Sérénité. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de services dont le service alerte. Je souhaitais prendre rendez-vous pour vous présenter cette offre, justement. Et ça coûte combien? Je vous présenterai tous les détails de l'offre lors de notre rendez-vous. Mais pour la plupart de nos clients, c'est un investissement rentable dès le premier semestre. Oui, c'est encore à voir. Alors justement, je vous propose un rendez-vous qui vous permettra de l'évaluer sur des bases concrètes. Je peux passer mardi ou mercredi en fin de journée. Non, attendez. Plutôt mercredi, à partir de 17h. Mercredi 17h, c'est noté, monsieur Hussard. Je vous confirme le rendez-vous par mail. Ok. Très bien.
J'attends donc votre appel dans l'heure pour savoir si les comptes de vos collaborateurs ont été crédités. Si ce n'est pas le cas, vous m'enverrez donc par fax le détail des virements que nous ferons aujourd'hui même. Et nous avons rendez-vous mercredi à 17h en vos locaux pour travailler sur l'ensemble de votre gestion. Souhaitiez-vous voir d'autres points, monsieur Hussard ? Non, c'est bon. Si déjà on fait tout ça, ça sera bien. Je vous remercie pour votre attention, monsieur Hussard. Et j'attends votre appel. Ok, je vous rappelle. Au revoir. Au revoir, monsieur.